vous laisse tomber pour le jeu. Pour une fois que nous sommes réunis, ne disons pas trop de bêtises. Pourquoi êtes-vous venu me voir subitement? J'en avais envie. Il y a une autre raison. Dites-la. Renseignements à vous demander. Pas grand chose. À quel sujet? Au sujet de nos têtes chaudes. C'était donc ça. Que voulez-vous savoir? Pas ici. Où? Chez vous. Vous croyez pouvoir disposer de moi comme avant? Ne me dites pas que vous l'aimez. Votre assurance a quelque chose de vexant. Je sais qu'il vous dégoûte. Alors, si vous voulez le laisser tomber, je vais vous donner une chance. Merci, vous êtes trop bon. Vous rêvez tous les jours de vous évader de ça. Avouez. Vous n'êtes pas faite pour vivre avec nos Tetsuo. Moi aussi, ça me vexe. Pourrais-je vous voir tout à l'heure? Je ne veux pas vous voir, et encore moins vous donner de renseignements. Vous ne me croyez pas quand je vous dis de vous offrir une possibilité de le laisser tomber? Je suis très bien comme je suis. Dommage. Vous partez? Évidemment. Un instant, j'ai presque cru que c'était pour moi que vous étiez venu. Vous avez exigé que je sois franc. Je l'ai été. Je sais que j'ai gâché beaucoup de choses. Et je sais aussi que vous n'êtes pas heureuse. Vous avez peur de vous confier à moi une fois de plus. C'est un cercle vicieux. Donnez-moi une idée de ce que vous voulez comme renseignement. Je verrai ce que je peux faire. Non. Pourquoi ? Parce que c'était quand même la vérité, quand je vous ai dit tout à l'heure que je voulais vous voir, vous. J'aurais aimé passer quelques moments tête à tête, sans témoin. J'avais envie de coucher avec vous. Signe. Oui. 11 rue de Franqueville. Mais laissez-moi une heure pour que ça ait l'air moins suspect. J'y serai.